Les flics! Thierry Deroc de Plébélec, le bouillonnant PDG de la société vidéo UMT, 35 millions de chiffre d'affaires. Je gagne 10 briques par mois. Qu'est-ce que j'irais voler une mop pourrie? Thierry n'a pas besoin d'argent. Gérard Gallois, international sponsoring, 50 millions de chiffre d'affaires, dont plus de la moitié à l'étranger. Écoutez, on n'est pas des gangsters, monsieur. Commissaire Lemercier, j'écoute. Un commissaire qui couche avec un grand truand en cavale. Légalement, il est complice ou non? Tu baises un flic, tu crois que tu baises la police, toi? Francis Carlier, une carrière exemplaire dans la banque. Oui, enfin, il a choisi la sécurité. Daniel Boutineau, un homme d'affaires avisé. Quel genre d'affaires? La boutique de maman, c'est du solide, non? Toi, t'as tout réussi. Daniel, il a tout raté. Alors pourquoi tu l'enfonces comme ça? Mais je t'ai jamais fait croire à cet imbécile qu'il était milliardaire ou qu'il allait le devenir. Qui est-ce? Decker Giraudy, la boutique de mode, c'est elle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous dînez avec moi demain soir. Et on fait l'amour avant ou après? Millions, qu'est-ce que c'est pour vous? Ah, c'était pas 500? Si, mais maintenant c'est tarif de nuit. T'as du liquide, toi? Ah bah écoute, c'est ton avocat, tu te démerdes avec cet escroc. Autant d'argent, mais je savais même pas que ça existait, moi. Bon, tonton, je préfère que tu le saches tout de suite, on est ici parce qu'on est recherché par la police. Ils m'ont volé plus de 400 briques! Ce fric, c'est lui-même qui se l'est piqué. Moi, je sais où il y a l'argent, vous savez l'étouffer. On pourra en ruiner quelques-uns. Qu'est-ce que tu fous, hein? Fais-moi ça, non? Si tu cries, ce sont les flics qui vont venir te libérer. Alors. Gérard!